Bon matin! Bon début d'après-midi. Bon après-midi! J'espère que ça va bien. On est toute la famille hier. On fait une petite après-midi. Ben en tout cas, on a une couple de petites commissions à faire aujourd'hui. Fait que on s'est dit qu'on allait sortir tout le monde ensemble faire ça. Il va falloir aller au Costco pour différentes choses. J'ai un retour aussi à faire au Costco. Fait des colis à aller porter de certaines commandes Vinted que j'ai reçues. Quoi d'autre? Faudrait que j'arrête à la pharmacie aussi. Puis, je pense que c'est ça. Il me semble que c'est ça. Fait que bref, ouais. Costco, c'est le main important. On est rendu au Costco. On a checké pour des pyjamas pour lui, puis on en a trouvé une coupe. Ils ont vraiment des nouveaux beaux modèles. Celui-là. Mais genre ceux pour filles sont, genre celui, avoir une fille est vraiment cute. Le mauve aussi est beau, mais le ligné, je le trouve vraiment mignon. On a pris celui-là aussi. Pas celui-là, mais on a pris dinosaure puis celui-là. Celui-là, on l'avait déjà, puis il était cute, là, fait que on s'est dit pourquoi pas. Une chose sur ma liste depuis vraiment trop longtemps, il me semble, c'est des wipers pour mon auto. Fait que, on essaie de trouver le bon modèle. On les changera peut-être une journée où il fera un peu moins froid, qu'est-ce que t'en penses? Anyway, je vais essayer de trouver mon wiper arrière avant de... Finalement, on n'est pas arrêté à la pharmacie, puis on a quitté Costco quand même assez vite. Il s'est mis à crier quand même vraiment intense. Fait qu'on s'est dit qu'on allait couper ça court. Mais bref, on a pris du lait, on a pris mes wipers comme vous avez vu, les tortillas pour notre souper de ce soir. Les 9 grains, 9 céréales. D'habitude, on prend les réguliers, mais là, ceux-là, il y avait quand même des bonnes macros en termes de fibres. Fait que je me suis dit pourquoi pas. Puis les pyjamas qu'on a pris pour le petit, il y a celui-là avec des petits dinosaures bleu foncé avec les dinosaures bleu pâle. Celui-là, on l'avait déjà dans le 3 mois pour lui. Puis vu qu'il fait plus, il l'avait. Donc, il l'avait en 6 mois, je me suis dit pourquoi pas. On a pris celui-là, je pense que c'est genre probablement mon. Pas mon préféré, mais c'est un de mes deux préférés, avec des lettres orange brûlées. Quand même vraiment cute. Oh, c'est un petit crayon qui écrit un peu cute. Puis celui-là, je pense que celui-là c'est mon préf, qui est le ligné avec un petit chien. Imagine ça aurait été un petit chat, ça aurait été vraiment cute. Mais ouais, sérieusement, les pyjamas du Costco valent vraiment la peine. Justement parce que lui, il est quand même assez grand. Fait que c'est à peu près les seuls qui peuvent y faire genre un petit peu plus longtemps que tous les autres pyjamas. Puis vois-tu, on est déjà dans les 6 mois en termes de grandeur. Puis il y a même pas 4 mois. Mais bref, idéal. Puis elle fait full de beaux modèles, autant pour gars que pour filles. Il y en avait des beaux roses, mauves et tout là. Fait que ouais, on va laver ça puis on va recommencer à les porter. J'ai l'impression d'être genre littéralement toujours en train d'acheter des nouveaux pyjamas. Mais comme je dis, ceux que j'ai achetés avant, qui étaient du 3-6 mois ou du 6 mois de d'autres marques, genre Carter's, etc., sont rendus juste. Fait que, juste en termes de grandeur, c'est vraiment fou là, comment ça va vite, ça passe vite, toutes les affaires de bébé. Là. On dirait que ça arrête jamais, mais c'est pour ça que je me dis que ceux du Costco vont pouvoir toffer au moins un petit peu plus longtemps parce qu'on vient d'arrêter de mettre ceux du Costco de 3 mois. Fait que du moins, on est safe pour une couple de semaines. Quelques heures plus tard, on est revenu à la maison, puis on a juste chillé. Petit coco qui est ici, qui regarde le classique ventilateur. Depuis une couple de jours, je dirais, depuis hier, sensiblement, Antoine est en train de passer la balayeuse, je pense que ça paraît. Mais ouais, depuis une couple de jours, mais surtout depuis hier, là, il veut plus rien savoir d'être sur son tapis d'éveil, puis presque plus rien savoir d'être dans sa chaise bouncer. On est quand même encore capable de le mettre dans sa chaise bouncer, mais genre sur son tapis d'éveil, il n'y a plus de fun. À chaque fois qu'on le met dessus, soit il se met à crier, puis il pleure, puis dès qu'on le prend, il redevient chill, fait qu'on devine que c'est pour ça. Ou soit parce que... ou soit on le met dessus, puis il a l'air juste complètement indifférent.
tout ce qui se passe là. Fait que on se dit que c'est quand même possiblement normal parce qu'à un moment donné, ça reste des jouets, outgrow des jouets, c'est sûr. Sauf que là, je vois la fin de la chaise aussi s'en venir, puis on dirait que ça me fait peur. Parce que des fois, c'était juste comme, il pleurait, puis la seule chose qui le consolait, c'était sa chaise bouncer. Là, on dirait qu'on sait comme plus quoi faire. En termes de genre, tout ce qu'il veut, c'est nous regarder le visage, qu'on lui fasse des expressions faciales et tout. Puis je suis comme, oui, mais des fois, tu sais, faut juste, genre, j'aille aux toilettes. Faut juste partir une brosse de lavage, tu sais, des affaires quand même assez essentielles. Je parle même pas de travail, je parle vraiment juste d'affaires essentielles de tous les jours, on s'entend? Ou tu sais, se faire à manger, ou genre s'entraîner. Je me suis pas entraînée de la semaine encore parce que, justement, j'ai littéralement pas eu le temps à cause que, c'est ça, il demandait plus d'attention que d'habitude. Fait que ceux qui sont rendus avec des bébés autour de genre, ou qui sont passés par là, 3 mois et demi, 4 mois dans ces eaux-là, qu'est-ce que vous faisiez, mettons, pour entertain vos bébés? On a sorti des genres de gros feutres en une espèce de mousse. On le met dessus, on joue avec, on lit des histoires et tout. Ça, il trippe, mais à un moment donné, ça fait un temps. Le porte-bébé, ça fait de plus en plus. Mais c'est pas encore justement, tu sais, faut tout le temps qu'on marche, faut tout le temps qu'on bouge, faut tout le temps qu'on fasse quelque chose pour qu'il y ait du fun dans le porte-bébé. Fait que ouais, c'est tout qu'un lot d'inconnus, vraiment, c'est vraiment ça, un lot d'inconnus puis de choses qu'on essaye, de t'essayer du mieux que tu peux. Mais c'est ça, quand on peut avoir des ressources, je me dis pourquoi pas les utiliser. Fait que si jamais vous voulez me donner vos cues en bas dans les commentaires, ça va être pratique pour moi, ça va être pratique pour toutes ceux et celles qui aussi sont dans la même position ou qui éventuellement vont aussi avoir des petits cocos de cet âge-là. Fait que pour tourner sur le ventre, on prend la petite jambe qui est contraire au côté qu'on tourne, hein bébé? Et ce qu'on tourne, on amène la jambe, on amène la jambe, on amène la jambe. Et on amène les bras. Oui? Bravo! Waouh, c'est qui le beau minet? Wouhou! Tu veux qu'on se retourne de l'autre côté? On peut se retourner de l'autre côté. Tchiki-tchiki-pou! D'accord? On prend la jambe du sens contraire. On tourne, 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 on tourne. Ouais! T'es capable, t'es capable, t'es capable, t'es capable. Oh! C'est qui le bébé? T'es donc bien joli, toi? Tu te vois dans le rétroviseur? Oh! Donne-moi les mains. Ouais! On aime ça, ça, être assis, hein? On s'est créé un genre de petit bac à jouets dans l'espace commun. Puis, c'est vraiment pratique parce que, vous savez que j'aime pas ça quand c'est en bordel, j'aime pas ça quand ça traîne partout, ça me stresse, ça m'angoisse. Fait que, c'est ça, on a pris juste une petite boîte qu'on avait, genre une boîte décorative, ben basic. Puis, on a mis les jouets avec lesquels ils jouent le plus dedans. Puis, on a aussi défait le tapis d'éveil. En fait, on a gardé juste la base parce que c'est quand même un bon coussin, un bon tapis là, sur lequel il peut jouer. Puis, tu sais, il y a genre ça. Qui est vraiment cool parce que ça fait du bruit, ça a des petites formes et tout. Mais on a enlevé comme toute la structure en bois parce que c'est ça, il était tanné. Fait que on le range juste comme ça dans le coin dans ce temps-là. Puis ici, c'est les espèces de trucs en foam. Sauf que là, Luna, ça fait un malin plaisir de faire ses... Non, ses griffes dessus. Fait que pour la nuit, j'avais mis ça pour essayer qu'il reste intact au moins un petit peu plus longtemps. De préférence, mais c'est ça, on en a juste comme deux qui fait à peu près, genre, je sais pas moi c'est quoi, 3-4 pieds de long, puis genre 2 pieds de large, fait que tu sais, c'est pas si pire, mais c'est pas super gros comme zone de jeu, fait qu'on en a commandé qui pour que ce soit plus gros. Éventuellement, on va faire une salle familiale là, au sol, puis on va pouvoir avoir une salle de jeu pour ranger tous les jouets du petit, mais pour l'instant, cette situation-là convient bien correct. Il est quand même tôt dans la journée, mais je me suis dit que j'allais quand même faire mes cheveux juste parce que quand je les ferai, j'aime toujours ça les faire un petit peu plus tôt justement dans la journée.
vu que les curves, les waves sont un petit peu plus intenses, ils ont le temps de retomber au courant de la journée. Puis ce soir, j'ai un souper avec des amis. Fait que je me suis dit que mes cheveux allaient être faits pour ça, puis ça allait être parfait. J'ai reçu un appel client tout à l'heure. Je sais pas il est quelle heure. À genre 1h30, puis il est 10h15. Fait que j'ai encore en masse de temps. Le fer que j'utilise, c'est un fer random, genre Cortex, que j'avais acheté. Winners une couple d'années. Je pense que c'est un pouce ou un pouce et demi, je me souviens plus. Mais je l'aime vraiment beaucoup. Là, on a essayé la technique. Des petits jouets partout. Pour essayer d'entertain. J'ai utilisé un nouveau, ben en fait, le même self-tanner que j'utilisais d'habitude, mais en version un petit peu plus pâle. D'habitude, j'utilisais le Deep Dark. Puis là, cette fois-ci, j'ai utilisé le foncé à la place. Le très foncé, je le trouvais super beau, mais tu sais, je suis vraiment, vraiment blanche là, quand j'ai pas de tan déjà à la base. Ou juste en général depuis toujours dans la vie, j'ai une peau de blonde, fait que j'ai une peau vraiment blanche. Puis, ça fait en sorte que, je sais pas, je trouvais des fois que ça avait l'air un petit peu too much. Tandis que le foncé, c'est genre, je viens de sortir de la douche, fait que c'est un petit glow de plus, un petit bronzage supplémentaire, mais j'aime vraiment la couleur que ça donne. C'est pas trop, c'est juste assez, puis j'aime vraiment ça. Fait que bref, Théo et moi, on va faire mes cheveux. On pourra pas faire ça ensemble. C'est trop dangereux. On prendra pas de chance. Bon, fait qu'on va se promener autour de la maison. C'est ça que ça veut dire? Tu veux pas plus être là? Quand je frise mes cheveux habituellement, là, je fais juste séparer genre ma tête en deux. Fait que je fais une section en bas puis une section en haut. Puis j'essaye de faire de prendre des mèches de différentes grosseurs. Fait que comme ça, ça alterne. J'aime le look un peu genre beachy wave ou t'sais effortless. Fait que je veux pas les laisser trop longtemps sur mon barrel, sur mon fer. Il y en a que je vais prendre des petites sections, il y en a que je vais prendre des grosses sections, puis je frise toujours comme pas vers mon visage mais vers l'extérieur de mon visage. Fait que de ce côté-là vers là, puis de ce côté-là vers là. Et puis je trouve vraiment que c'est ce qui donne le look que je préfère personnellement sur moi. Mais il y a tellement de manières, tellement de techniques là. C'est juste que c'est la technique que moi j'utilise depuis genre littéralement des années, puis qui fonctionne, puis que je maîtrise. Je peux faire quasiment les yeux fermés sans nécessairement trop me brûler. Tu sais, je les laisse vraiment pas longtemps, fait comme ça justement ils sont pas super serrés sur ma tête, ils sont un petit peu plus lousses. Puis comme je dis, au début ils sont encore même un petit peu plus intenses que ce que j'aimerais, mais plus la journée va, plus plus ils retombent, puis plus ça donne le look que je préfère. Habituellement quand je les frise comme ça, je vais rien mettre, je mettrai même pas de produit, je mettrai même pas de spray net ou quoi que ce soit, puis je vais attendre qu'ils soient exactement comme je les aime. Fait que genre, tu sais, dans une coupe d'heure, comme je dis, là, ils vont être exactement le bon level de frisé que j'aime. Puis à ce moment-là, je vais vraiment venir mettre du spray net, fait que ça risque d'être comme plus tard en fin d'après-midi. Puis comme ça, je suis capable d'étoffer quand même longtemps dans la semaine aussi. Mais je frise pas en haut ici, genre toute cette section-là, là, jamais, jamais, jamais je vais mettre de frisé. Je le pars à peu près au niveau de mes yeux. Fait que quand je vais prendre des mèches comme ça pour friser, oui, je vais prendre des mèches jusque sur le dessus de ma tête, comme ça, mettons. Mais je vais pas la friser jusqu'en haut. Je vais vraiment juste l'arrêter à peu près au niveau de mon visage et de mes yeux. Fait que puis des fois quand je les trouve trop intense, je vais même tirer dessus un petit peu juste pour la délousser un tantinet. Pour dîner, mais en fait je vais manger un déjeuner parce que j'avais pas super faim on dirait ce matin, fait que je me suis
Je me suis contentée de mon café matinal, mais là je commence à avoir faim. Fait que ouais, je vais me faire un wrap avec les tortillas qu'on a achetées au Costco hier. Petite tranche de fromage. Je sais pas si je vais mettre quelque chose d'autre dedans. Genre probablement de la mayonnaise Sriracha. J'aurais mis du jambon, mais on en avait plus de décongelé. Fait que viens en sortir un paquet pour les prochains jours. T'avais déjà vu le un gars qui faisait ça avec son... Je sais pas si c'était un bébé ou vraiment un enfant. Là. Ok. Il faisait comme si c'était un... Comme si c'était un drink, mais c'était genre sa bouteille pour, de... Pour le bébé, puis il fait genre son petit drink, puis il verse. Non. Tu veux un petit drink? Luna, et où ta balle? Oh mon dieu, on est à 920 mètres de la fille. On doit pas être les seuls hein, qui connaissent toutes les chansons de leur, des jouets de leurs enfants par cœur. Comme si c'était des chansons que t'écoutais. Je pense que je vais faire... Je vais faire mon petit wrap. Je vais faire attention. C'était un petit peu plus triste que ce que j'avais anticipé. Mais... C'est pas grave, ça va être quand même super bon. Je me suis changée half up, je suis restée en jogging. Comme je disais un petit peu plus tôt, j'ai un appel client aujourd'hui. J'ai l'impression littéralement de gérer genre de la paperasse puis des affaires genre qui me font tellement perdre de temps depuis ce matin. On a eu vraiment beaucoup de problèmes avec le numéro d'assurance sociale à Théo, son certificat de naissance, sa copie d'acte de naissance, etc. Dans le fond, quand ton enfant naît, il faut que tu déclares sa naissance au gouvernement, ce qui est normal dans un certain délai, sinon tu as une amende, je pense que c'est genre 500$, c'est quand même assez élevé, fait que si jamais vous attendez un enfant, sachez que si vous le saviez pas, parce que c'est, j'ai l'impression que les trucs reliés à la grossesse, reliés aux enfants et tout, là, faut que quelqu'un te le dise parce que c'est tellement, j'ai l'impression, jamais clair que si tu te le fais pas dire, ben tu peux facilement passer à côté. Bref, on a fait cette demande-là littéralement 2 jours après être revenu à la maison, là, après être sorti de l'hôpital quand Théo est né. Et puis, ça fait littéralement des mois qu'on n'avait toujours rien reçu. Début décembre, j'avais appelé, je pense, au mois de novembre, puis il m'avait dit si ça dépasse un délai de 40 jours ouvrables qui t'amène genre début ou mi-décembre de 2022, appelle, puis là, ils vont mettre vraiment ton dossier comme en accéléré. Ça veut dire que ton dossier a été oublié, etc. Mon ami, ça y a fait exactement la même chose avec la naissance de son gars aussi. Il a fallu qu'elle court après. Bref, on a finalement eu des nouvelles, et puis on a eu des nouvelles genre la première semaine de janvier, fait que ça a été vraiment long, vraiment plus long. Puis, pour être inscrit à la place 09, ça te prend un numéro qui est inscrit sur l'acte de naissance de ton enfant. Mais on n'a toujours pas reçu l'acte de naissance de notre enfant, fait que là, vu qu'on était inscrit aussi à la place 05, j'ai dit 09, hein, je dis tout le temps ça, je sais pas pourquoi ça me mêle vraiment, mais à la place 05 qui est pour les garderies, ça te prend aussi un numéro qui est là-dessus, puis quand tu donnes pas ce numéro-là, le NIREC qui appelle, là, le dossier de ton enfant est archivé. Et donc, ça veut dire qu'il est retiré temporairement des listes d'attente de garderie tant et aussi longtemps que tu n'auras pas fourni ce numéro-là. Fait que bref, je gérerai ça ce matin. Il n'y a absolument rien qu'on peut faire tant qu'on n'a pas fourni le numéro, mais au moins quand on va l'avoir fourni, ils vont pouvoir le remettre exactement à la même place où il était sur la liste d'attente. C'est juste que moi, il faut que je repasse vers toutes les garderies que j'avais fait des inscriptions, puis que je refasse les inscriptions, mais il va revenir, comme je disais, à la même place dans la file d'attente. C'est juste vraiment beaucoup de... trop, me semble, pour rien. Fait que j'ai géré ça ce matin, j'ai genre plein de rappels sur mon auto qu'il faut que je m'occupe. Un paquet d'affaires. Fait que c'est ce que je faisais ce matin. Mais ouais, côté paperasse, c'est quelque chose. Terminé! Ça a super bien été. Mais ouais, c'est ce que je disais là, juste avant de finir, c'était vraiment que... La garderie, toutes ces affaires-là, c'est quelque chose. Si jamais vous connaissez quelqu'un sur la rive sud qui a une garderie en milieu familial, si jamais vous êtes dans une garderie, que vous entendez qu'il y a une place sur la rive sud de Montréal, genre Boucherville, Varennes, Sainte-Julie, vous pouvez penser à moi. Vous pouvez nous écrire.
techniquement, on pense possiblement faire commencer le petit à la garderie plus tôt que trop tard, dû au fait que les deux travaillent de la maison. Par contre, on l'enverrait pas genre 5 jours, on l'enverrait comme, tu sais, 2 avant-midi ou genre 1 avant-midi, une journée complète. Quelque chose comme ça au début, c'est vraiment juste, oui, au début pour l'habituer aussi, là, mais juste pour que nous, on soit capable de travailler comme calmement, puis après ça, et sans se faire déranger, puis après ça, les journées où il est avec nous, on peut vraiment juste se focusser sur lui. Fait que c'est notre gros focus en ce moment, je dirais, d'essayer de gérer tout ça. Faire son passeport, faire toutes les affaires. Fait que, mon Dieu, que c'est de la paperasse. On dirait que je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de paperasse, autant de choses à s'occuper avec un nouveau-né. Mais on y arrive. Une chose à la fois, c'est ça l'important. Vous pratiquez le coup? Vous pratiquez le coup? T'es bon, toi? T'es bon, le méné? Yay! Je suis vraiment contente. On avait un petit coulou pour le petit. Mais là, ça fait une couple de jours qui fait vraiment, vraiment froid. Le petit coulou qu'on avait, c'est genre la première version. Fait que juste la version qui couvre à l'extérieur de la coquille ou peu importe. Fait que j'en ai trouvé un sur Marketplace. Il est en super bon état. Il est parfait. Puis genre, tu sais, chaud en dedans et tout là. Fait que ça va le garder vraiment au chaud, ça. Vraiment très contente de cette trouvaille. Je le dirai jamais assez, Marketplace, c'est tellement la place à magasiner pour genre, je dirais en général, mais surtout pour les bébés ou pour les enfants, parce que c'est vraiment là que tu es capable de trouver genre des super bons deals, puis que tu es capable d'avoir des items pour une fraction du prix. Surtout pour les choses d'enfants ou de bébés, là, ça passe, tu sais, on passe tellement de stock, on passe, genre ça va tellement vite. Quand ils disent que tu as toujours besoin de nouvelles affaires, c'est littéralement vrai, tu as toujours besoin de nouvelles affaires. J'ai l'impression encore plus, genre au Québec, vu qu'on a comme 4 saisons, fait qu'il faut que tu t'équipes pour l'été, faut que tu t'équipes pour l'hiver. Le linge, ça arrête plus de grandir. Fait que bref, quand tu es capable au moins d'épargner sur des affaires comme ça, je me dis, ça vaut la peine. Je checkais pour en acheter un neuf initialement, je pense que c'était comme 160 ou 190 selon lesquels plus taxes. Puis celui-là, j'ai réussi à l'avoir pour 50$. Puis comme la fille a dit, genre en parfaite condition, elle l'a utilisé comme une fois, that's it. Fait que très contente de ça. Là, je m'en allais à la pharmacie parce que hier, j'ai pas pu y aller, justement, on n'a pas le temps. Fait que je vais y aller aujourd'hui. Puis c'est vraiment la tempête dehors, c'est fou. C'est tellement beau, par exemple. Dans mon top 3 des choses que j'aime le plus de l'hiver, là, les journées où il neige. Puis j'ai entendu de la belle neige qui tombe, que là, il y a de la neige dans tous les arbres, sur toutes les branches. Et puis, qu'il fait genre moins 2, on est super bien. C'est juste, me semble tellement beau, tellement genre paisible, super le fun. Fait que, à chaque fois, je suis comme, ah, oh, c'est hot. Profiter des petits plaisirs, puis apprécier les petites choses. Excusez le bordel. Il y a des combats des fois. Certains jours que tu lâches prise. Ça en fait partie. Fait que, ouais, petit coulou. Très, très, très contente de cette trouvaille. Fait qu'il a dit petit mousse-mousse ici, comme ça. Puis à l'intérieur, il est genre tout doux. C'est de la marque. Je l'ai vu quelque part. Ok, je vais pas m'essayer. Juddlies. Comme ça ici. Fait en Ontario. Okay. Vraiment. Très nice. Tu t'es touché. C'est juste... D'après moi, il ferait peut-être. Ben, il s'extend ça quand même. Oh, okay. Ouais. Ouais. Il va faire autant sur le landau que nice. Sur. Il est beau. Puis genre, tu sais, l'intérieur est chaud. Ouais, là, fait que. Très nice. Ça, c'est mes achats de la pharmacie. J'ai bon, on a reçu des lettres. Ouais. Fait que j'espère. Ça, c'est une lettre pour Théo. Qui? Voici votre nouvelle carte. Carte bleue. Oh! La carte de Strasse Maladie. Non, les crèmes sont bien nice. Ça m'a dit, ah, mais il n'y a plus de photos. Ben, elle est sans photo. Ouais. Fait que sa nouvelle carte de Strasse Maladie, le petit coco. Nice. Ouais, vraiment. Mais je pense que c'est ça. Je sais pas ce qui me dit que toutes les nouvelles cartes étaient rendues comme ça.
Je pensais que c'était des trucs qu'on parlait tantôt. Puis ça, c'est nos allocations familiales. Versement trimestriel, puis versement du 11. Versé quoi? Versé par chèque 6 juin, puis dépôt direct à partir du 3. Comme on parlait ce matin, il y a les affaires de toute la gestion de stock bébé, mais aussi les allocations familiales qui rentrent en considération là-dedans. T'es cute, ça te va bien? C'est comme si c'était un manteau. T'es next fashion show. Comme les manteaux de filles. Comme top job. C'est pratique en hiver. On a reçu un petit collier aussi. Dans la poste. Oh! C'est pour moi? Oui, c'est des produits pour la peau. C'est Jouviance qui m'envoie. Cool! Plein de produits genre pour l'hiver. Avec un sérum réhydratant intensif. Jour, nuit. J'aime vraiment leurs produits parce que justement, tu peux les utiliser autant le jour que la nuit que le contour des yeux. Puis moi, je suis une très grande fan d'utiliser les mêmes hydratants sur mon visage que sur mes yeux. Le moins de produits, le moins d'étapes, le mieux c'est. Gel crème hydratant, même principe. Et puis, une crème ultra réparatrice pour visage, corps et contour des yeux. Je sais pas ce que ça fait, mais très très nice. Je viens juste de terminer de me préparer, en fait juste de me changer pour mon souper de ce soir. J'ai gardé mon maquillage d'aujourd'hui. Je voulais peut-être le refaire, mais pff, pas de temps à perdre là-dessus. Fait que, ouais, mes cheveux, comme je disais, là, après la journée, c'est pas mal le genre de wave que j'aime. Fait que, ben contente de ça. Ma petite laine vient de l'Abbé. C'est de la marque Vero Moda. Et j'aime vraiment beaucoup. J'étais comme pas sûre de la grandeur initialement, puis j'ai pris le médium, finalement. Puis j'aime vraiment... J'hésitais entre X-Mall puis médium, puis je pense que j'ai vraiment bien fait d'y aller avec la médium. Fait que je pourrais vous la mettre en bord de description si elle est encore disponible, des jeans noirs bien normal parce que ça me tentait pas de me casser le basic. Puis on va aller souper dans un resto italien ce soir. En fait, j'avais proposé resto italien en espérant manger des pâtes, mais ils ont choisi un resto italien pizza. Fait que c'est bien correct, ça va être super bon quand même là. Mais ouais, je m'en vais là avec des anciens collègues, des amis. Et puis, on s'en va à Montréal par contre avec la tempête là. Fait que on va partir un petit peu plus tôt justement pour pas rendre trop de trafic si jamais il y en a. Puis, allô ma cocotte. Ouais, fait que, mommy time ce soir. Hello? C'est un boomerang? Mais non, c'est pas un boomerang. On est sérieux. Tu veux que je t'en donne, Caro? Non. Non? Wow. C'est la tempête. Ce matin, je pense qu'il y en a genre vraiment, oh my god, ouais. Vraiment, vraiment beaucoup de neige aujourd'hui. Fait que, on est super bien. Donc on s'est dit qu'on allait commencer la journée avec une petite marche. Ça fait littéralement genre une minute, même pas, qui est là-dedans. Puis qu'on a commencé, puis il dort déjà. Le grand tout est en train de déblayer les autos. Puis moi, je fais des loops en attendant. Hello! Bon, un matin, on est rendu le lendemain. Le souper d'hier était super, super le fun. On vient juste de revenir de notre petite marche. Fait que on a bravé la tempête ce matin pour réussir à sortir nos autos pour la déneigeuse. Puis aussi pour faire prendre une sieste au petit coco. Puis on a eu successfully une première sieste de 1 heure. Fait que pour nous, c'est une grande victoire compte tenu du fait que d'habitude, après 20 minutes à peu près, il se réveille. 1 heure, c'est comme top notch. On a eu vraiment toute qu'une nuit, par exemple. Fait que ça va être un petit peu nécessaire, la caféine, aujourd'hui. Il est officiellement dans sa régression de sommeil. Donc, réveil aux 2 heures la nuit d'avant, réveil aux 3 heures la nuit passée. Fait que ça fait des courtes nuits. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vécu ça. Cheers! Aujourd'hui est un triste jour parce que
on défait le sapin de Noël. J'aime vraiment ça, tout le monde aime vraiment ça, on trouve tellement que ça met de la vie dans la maison. Mais, pour compenser de ça, on a une superbe nouvelle. À Théo! On va faire les tablettes la semaine prochaine. Douda, si tout va bien. La personne qui a construit le manteau de cheminée et tout est disponible. Chose qui n'était pas prévue dans les plans. Mais il est disponible pour venir faire les tablettes. Fait que initialement, c'était lui qui était censé les faire. Mais c'était comme trop compliqué avec les horaires et tout le monde. Fait que on s'était dit qu'on allait faire nous-mêmes. Bref. Il va venir les faire. Fait qu'on est vraiment content, mais il va falloir qu'il vienne prendre les mesures finales, exactes et tout. Fait que pour ça, ouais, on n'aura pas le choix d'enlever le sapin de Noël. Fait, et du fait même, je pense que je vais enlever une coupe de déco. Je vais garder certaines choses qui font quand même hivernales, genre les petits sapins là, puis différentes choses. Mais clairement que, ouais, il va avoir besoin d'accéder exactement où il y a le sapin. Fait que on va enlever ça, Théo et moi. Ça va l'entertainer en même temps. Puis il va pouvoir, selon quand est-ce qu'il vient prendre les mesures, faire ça. On va enlever le sapin de bon matin Théo! Bon matin à toi! Bon matin Caro! Bon matin Luna! Tazé! Fais dodo encore! Un vrai ado! On est en préparation de crêpes ce matin. Parce que j'avais vraiment envie de ça. Puis Anto aussi. Fait qu'on s'est dit que c'était un bon plan de déjeuner de week-end. Oups, pas live. Fait qu'on s'est dit qu'on allait. Habituellement, on se fait des crêpes genre vraiment basic avec du sirop, puis genre vraiment basic. Sauf que mon amie l'autre fois est venue, puis elle en a fait avec saucisse et pomme, pomme cannelle. Fait qu'on a fait pomme cannelle sucre ici, puis Anto a fait les saucisses dans les air fryer. Puis on va faire. Ouais, on va manger ça. Puis un petit peu de sirop, ça va être délicieux. D'ailleurs, j'ai trouvé dans mes affaires cette espèce de baume. Baume hydratation quand même assez intense de Avène que j'avais reçu il y a quelques mois. Puis hier, justement, je parlais à Anto que j'avais vraiment la peau sèche. Genre, tu sais, la peau qui est étirée parce qu'elle est trop sèche. Puis que ça allait pas en s'améliorant, justement, en hiver. Fait que. Ce matin, j'ai trouvé ça, puis j'étais comme, c'est meant to be. Fait que je l'ai juste utilisé, genre, sur mes bras, et sérieusement, je capote. Genre, si jamais vous avez vraiment la peau sèche du l'hiver, c'est bon pour les démangeaisons, c'est bon pour plein d'affaires. Prenez une capture d'écran de ça. Je suis vraiment, vraiment contente d'avoir trouvé ça. Fait que je vais garder ça pas trop loin, justement, pour l'utiliser. On va aller manger le coco! Fait que hier, finalement, c'est ça. J'ai arrêté de filmer, je pense. J'ai pas. On a fini par pas enlever le sapin au complet, juste enlever les boules de Noël, genre les petites décorations, le fla-fla, puis on a gardé certaines petites choses qu'il faut d'ailleurs encore que je range. Mais on aime ça, le sapin. Fait que j'ai dit, garde, on va juste le tirer quand il viendra, puis ça sera ça. Mais du moins, on a encore un petit peu de vie à cet endroit-là, puis c'est pas encore trop dépressif. Sincèrement, là, hier, on était. J'ai l'impression que hier, j'étais comme un peu. Saoul, genre, juste
Pas parce qu'on a bu, mais juste parce qu'on a tellement manqué de sommeil l'année d'avant. On est vraiment, vraiment full on dans la régression de sommeil. Et puis la nuit passée aussi, mais on dirait que la nuit d'avant, ça avait été vraiment, vraiment plus rough. L'année passée, il s'est réveillé quand même aux 3 heures, peut-être. Mais on a quand même réussi à avoir genre une bonne nuit de sommeil. L'affaire avec ça, c'est que moi, vraiment, avec une régression de sommeil ou quoi que ce soit, il faut que tu te couches quasiment en même temps que les autres. Fait que lui, on le couche habituellement vers 6h30-7h, je dirais. Puis hier, on l'a couché, on a mangé, puis on est littéralement allé se coucher genre directement après. Fait que à 8h30-9h, on était couchés, puis on dormait les deux. Fait que j'ai l'impression que ça nous a permis de pouvoir récupérer un tantinet. Mais ouais, on va déjeuner, manger notre bon petit déjeuner, mon beau bébé. On va jouer en même temps. T'as plus de moment juste que tu peux t'asseoir puis manger paisiblement. Fait que tu joues et tu manges. Il est rendu un petit peu plus tard. On a absolument rien fait depuis ce matin. Et on a écouté genre des émissions. On a chillé, on a mangé nos crêpes. Et c'est littéralement la seule chose je pense qu'on a faite. Il est rendu genre 3 heures. On s'en allait quitter. On s'en allait avec des amis cet après-midi pour une partie de la soirée. On va voir comment ça se passe. On y va avec le petit. D'habitude, à chaque fois qu'il se passe quelque chose avec le petit, genre qu'on voit des amis ou peu importe, c'est toujours ici. Fait que c'est plus facile pour la routine du dodo et tout. Ok. Mais là, c'est pas chez nous. C'est chez un de nos amis qui habite pas trop loin. Fait que on va aller là en espérant que tout se passe bien. On amène genre son sleep tight, son petit lit, son bouncer, genre toutes les affaires qui peuvent nous faciliter la vie. Puis on y a mis un outfit trop trop cute. Regarde-moi ce beau bébé avec son petit chandail. Est-ce que tu trouves ça plate quoi? Montre ton outfit. Ton crew neck vient de chez H&M. Tes pantalons viennent du Walmart. Tes petits bas viennent d'Amazon. T'es trop cute, puis papa s'est habillé comme toi. Ça paraît pas, là. Mais Anto, il a mis aussi ses pantalons de même, puis un t-shirt noir pour matcher. Il y a juste moi qui fit pas dans la gang pantoute, mais c'est pas grave. Fait qu'on rassemblait les petites affaires, justement. On allait utiliser pour la première fois le petit coulou. J'ai l'impression que le coulou, c'est le même principe. Ouais, c'est ce que c'est je pense. C'est juste que l'intérieur aussi, est comme doux et chaud. Plus. Ouais. Ça a l'air d'être comme la même. Ouais, moi, je pensais que quand je l'avais acheté, c'était un qui, comme Gab. Ouais. Que tu sais, mettons, il était dans la coquille aussi, mais j'ai l'impression de toute façon qu'il y aurait trop chaud avec ça. Mais genre, tu sais, il y a un élastique là. Non, ça, non, c'est le même principe. C'est vraiment le même principe que notre. Ok, c'est parce qu'il s'ouvre. Que notre ancien, genre. De deux façons. Ok, je comprends. T'es tellement chatouilleux, ça n'a aucun sens. Ah, il est tout chaud. Tout chaud, tout beau, le bébé. T'es joli, mon bébé. Tu vas être gentil avec les amis. Ton ami Eddie va être là. Vous allez pouvoir jouer ensemble. Vous allez pouvoir faire des siestes ensemble. Coucou! Coucou! Pou! 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 En février, 16 degrés, puis avant, c'était moins. Quand même! Hey! On mange pas les mains, c'est pas le temps, là. Non. Ben oui, mais on s'est pas rendu là, là. Ben oui! Parce que j'aurais aimé ça. On est rendu le lendemain. J'ai pas terminé le vlog hier. Ça a relativement bien été avec le petit hier, avec nos amis, en termes de. Il était capable de faire des siestes, il a pas trop chigné, mais clairement on allait écouter le football, même si je connais pas grand chose à ça, puis que Anto et moi les deux on suit pas ça plus qu'il faut, mais nos amis oui, ils sont très intenses quand ils écoutent ça, on savait dans quoi qu'on s'embarquait là, fait que quand eux autres ils se mettaient des fois genre à crier, nous on est tellement genre deux personnes comme quand même calme, on crie jamais, on parle jamais trop fort, sauf des fois je m'emporte là, mais il est pas habitué d'entendre genre vraiment des sons comme
intense de même, fait qu'à chaque fois que les gars se mettaient à crier comme quand même intense, ils se mettaient genre à pleurer, mais parce qu'ils avaient tellement eu peur, ils faisaient quand même pitié. Fait que on est fini par revenir un petit peu plus tôt que ce qu'on aurait aimé slash espéré, mais c'est pas grave. Je me dis là, c'était la première fois qu'on l'amenait vraiment dans un événement avec nos amis, dans une journée, soirée avec nos amis. Fait que au fil du temps, on va se prendre des petits trucs, mais clairement d'amener genre son tapis d'éveil. Pas avec l'arche et tout, là, vraiment juste comme le tapis où est-ce qu'il chill à terre, comme vous avez vu, ça a vraiment fait une belle différence. Évidemment, sa chaise, puis genre tout le kit pour faire des siestes, parce qu'il a quand même réussi à faire des siestes là-bas. Fait que ça prend du stock quand tu vas passer quelques heures ailleurs, mais ça vaut vraiment la peine d'amener tout ça pour se faciliter la vie. Fait que là, justement, on vient de le coucher pour une sieste, puis nous autres, on va déjeuner. En tout cas, moi, je vais déjeuner pendant ce temps-là parce que je meurs de faim. Fait que je pense que j'ai terminé le vlog là-dessus. Fait que j'espère que vous avez apprécié venir avec nous dans les derniers jours. Soyez sûr de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de mettre un pouce si vous avez aimé. On se revoit très bientôt. Bye tout le monde.